Elise Mertens WTA, 32, a remporté son premier tour à l'US Open États-Unis, Grand Chelem. La Suédoise Mirjam Björklund WTA, 155, s'est vaillamment défendue, mais c'est Mertens qui a décroché la victoire après plus de 3 heures de tennis. Le score final était de 3 à 6, 6 à 3 et 7 à 6 3. La Belge a quelque chose avec le fait de sauver des balles de match au premier tour de l'US Open. Elle l'avait déjà fait en 2021 contre Rebecca Peterson WTA, 86. Cette fois, c'est la fiancée de Denis Shapovalov ATP, 26, qui en a fait les frais. Mertens a bien commencé le match en menant rapidement 2 à 0. Elle n'a pas réussi à prendre une avance de 3 à 0. Et Björklund en a profité. Le momentum a basculé en sa faveur et après un long 9e jeu, la Suédoise a remporté le 7-3 à 6. Dans le deuxième set, Mertens a bien pris les devants 3 à 0. Cette avance, malgré un service moins efficace, elle ne l'a plus lâchée. Victoire 6 à 3 pour la Belge. Au troisième set, la situation était délicate pour la Hamontoise de 27 ans. À 4 à 5 et 0 à 40, Björklund avait 3 balles de match. Mais Mertens est restée calme et a même pris l'avantage 6 à 5. Björklund a également montré qu'elle n'était pas simplement passée par les qualifications. Un jeu décisif a dû départager les deux joueuses. Dans ce jeu décisif, la Belge a rapidement pris l'ascendant. Finalement, c'est Mertens qui l'a emporté 10 à 3, s'agenouillant après sa victoire.